En question. Président, veuillez vous asseoir. The court is now back. Reprise de l'audience. Et the floor is given. Nous allons donner la parole maintenant to the defense team for Mr. Nguyen Chia. Peut-être la défense de Nguyen Chia a des questions supplémentaires. Thank you, Mr. President. As a matter of fact, we would like to request some additional time. Demander du temps supplémentaire. We have more questions than anticipated, and there was also a long deliberation in relation to one question. So we have two sessions, but nous avons deux sessions, mais nous souhaiterions obtenir 45 minutes supplémentaires. Le président. Counsel Antaguise, you have Antaguise, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Mon confrère Copé vient de faire la demande pour l'équipe de Nguyen Chia. Moi, je réitère simplement ma requête d'hier. Ça dépendra bien évidemment de l'évolution de l'interrogatoire de mon confrère, voir s'il touche des points similaires envisagés dans le cadre de mon interrogatoire à moi. Mais en tout état de cause, là, s'il continue après la pause et qu'il y a une demande supplémentaire, j'aurai aussi besoin au moins des 20 minutes supplémentaires que vous aviez accordées au parti hier, au parti civil et au co-procureur international. En tout état de cause, bien sûr, c'est une demande anticipée. Si elle n'est pas nécessaire, je vous tiendrai informé, mais je préfère, dans le cadre de votre organisation, vous indiquer que je ne pourrais pas aller en deçà du temps qui m'était initialement imparti si on devait faire moitié-moitié avec l'équipe de défense de Nguyen Chia, et éventuellement plus en fonction des thèmes qui seront abordés par mon confrère dans la suite de ces questions. And it all depend on how my colleague's cross-examination of this witness proceeds.
President. The chamber provides 10 additional minutes to each defense team. And let me clarify that yesterday the chamber used the time of parties, particularly to question the civil party on identities. Par rapport, so you should not calculate the time used by the bench with the time used by parties. Yesterday it was clear that the chamber was strict to the time allotted to the co-prosecutors and the lead lawyers for civil parties. So once again, the chamber gives 10 additional minutes to each defense team. La chambre va octroyer 10 minutes supplémentaires à chaque équipe de défense. Allow me, Mr. President, to kindly remind the chamber that this is the only evidence that we will ever hear in relation to the events described. It's a genocide charge. Des positions que vous allez entendre par rapport burglary, aux événements really qui sont considérés. President, please resume your questioning. Do not waste the time. You used 10 minutes already. Interrogatoire. Ne gaspillez pas votre temps. Vous avez déjà utilisé 10 minutes. Mr. Civil Party, your wife's name was Boussamban. Votre femme s'appelle Boussamban. Est-ce que cela est vrai? Et si c'est le cas, Khmer name? Est-ce que c'est un nom Khmer? Answer. Réponse. I asked my parents-in-law, that name was Khmer name, si and that name was also used during the time she was in school. Ce nom, elle a aussi porté quand elle était à l'école. Now you said that you were question, just as old as your late wife, le you même were born âge around que the same time. Femme décédée, que vous étiez née à peu près is it correct moment? That est-ce you qu'il and donc her vrai were born not in Cambodia, but in Indochina? Vous êtes tous les deux nés, non pas au an Cambodge, then called mais Indochina? Dans une entité qui s'appelait l'Indochine à l'époque. Answer, réponse, yes, oui, that is true. Absolument. I asked the question about j'ai that. Donc posé cette question. My parents-in-law also told me like what you said. Mes beaux parents m'ont dit effectivement comme vous. Elderly within the village also mentioned about this point. Personnes âgées dans le village ont aussi during the de time cela. That she was in quand school, elle était à l'école, she was called by her teacher the name you mentioned, and parents, my parents-in-law also used that my name. Just to be sure, does that mean that your parents-in-law in 1954 que became Cambodian citizens que vos as well? Sont devenus les citoyens cambodgiens en 1954 aussi. Answer. Réponse. My parents-in-law, vos parents, did not receive Khmer nationality. N'ont pas obtenu la nationalité Khmer. Only my wife, seulement who ma femme, was who received the Khmer nationality and she had Khmer the Khmer name. Et elle portait un nom Khmer. Now yesterday you spoke question about hier, vous avez parlé seven de mixed sept families, familles mixed, Vietnamese wives or husbands and Khmer wives femmes, and husbands. Can et, you tell me any Khmer ou of the names donc, est-ce of que vous pouvez these me donner quelques-uns des couples? Noms de ces sept familles mixed? Answer. Réponse. I could recall only three names de trois noms concerning three Khmer family trois members. Noms de famille Khmer. It is true that seven families was with me at that time, y avait and sept I can tell you the three names of the Khmer family members if you want. Vous donner les noms de trois please familles Khmers, Khmer si vous le souhaitez. Question, veuille, s'il vous plaît, faites-le. My réponse, name was Pratdun, my wife's name nom, was Boussamban. Et ma femme s'appelait Boussamban.
And another person, une autre personne name was s'appelait Sok. And the wife's et name was sa femme Thuj. And Mr. Sok et was Monsieur a Vietnamese. Sok était vietnamien. And there was an et other y avait man and another un woman, Dan Lun and Yeisun. Tamon et Yeisun. Yuen was Khmer. Était Khmer. And Dan Lun was Vietnamese. Dan Lun était Vietnamien. He had been taken away and et killed together with my avec wife. Ma femme pour être tuée. How did you know at the time question, that he and the other que lui woman et l'autre femme that they were Vietnamese? Était, how did you know? Vietnamien. Comment l'avez-vous appris? Answer. Réponse. People said about that in les gens the cooperative, m'en ont parlé in my dans ma coopérative. Sok married to a woman a épousé donc of a Vietnamese citizen femme vietnamienne in the Kampong Chenang. And Dan Lun was Chenang a specialist staff in the one unit. Était membre spécial dans une des unités. Dan Lun married a wife in Dom Nak Srok Riet. Épousé, pardon, son épouse dans le district de Dom Nak Srok. Je me rappelle de ces noms, did not know them je, very well. Je ne connaissais pas ces gens so très bien. For me to conclude that the source of your knowledge donc, in relation to, this, to the ethnicity of seven couples is what you à heard from de ces sept couples. Is that your source of information? De ce que vous avez entendu de la part des villageois, ce sont donc les villageois qui vous ont fourni ces renseignements, si j'ai bien compris. Answer. Réponse. Let me laissez-moi vous expliquer. I heard from j'ai workers entendu within my cooperative. Mm-hmm. They talk to one another that this person travailleurs was dans mon coopérative had dire que cette personne Vietnamese est vietnamienne et que cette husband. Autre personne avait une femme I ou un mari vietnamien. Overheard et from workers within my cooperative. J'ai entendu des travailleurs dans ma coopérative and parler de from ça. That time onwards, et I realized that some particular individual were Cambodian marrying a Vietnamese wife or qui avait épousé des femmes husband. Ou vice-versa. So is it then fair for me to summarize that, question donc dois-je en conclure ethnicity of que l'origine ethnique de ces sept Vietnamiens ou que votre connaissance de l'ethnie d'origine de ces sept familles est basée sur ce que vous avez entendu de la part des villageois, n'est-ce pas? Answer, réponse, yes, oui, c'est vrai, absolument. Do you know how, donc, question, savez-vous comment the alleged CPK cadres les were quatre involved, allégués du PCK how étaient did they know ont su that the que people that you refer les to personnes were, auxquelles vous faites référence origins. Étaient d'origine vietnamienne. Est-ce que vous savez comment eux l'ont appris? Réponse. I do not know je on ne this point. Je ne sais pas. When we were quand mobilized, on a été mobilisé, I realized that j'ai compris que those who were mobilized would be taken away and killed. I was in doubt et at that time. Je me however, when we were quand relocated, on a été we muté, were not threatened. On a pas we été were menacé, walked away to nous a the place where they wanted us to go. And nous I was quite sure et at the time that we would be taken away and killed. Concerning my wife, she was weeping femme, along the way. Elle pleurait le long du chemin. Just to be clear, question, is it correct that clair, you donc, don't know how donc, the CPK cadres comment les cadres du PCK savaient que cette personne était d'origine vietnamienne, n'est-ce pas? Answer. Réponse. Yes, that is oui, correct. Absolument, oui. The events that you describe, Mr. Civil Party, have not been investigated donc by les événements que vous avez décrits n'ont pas été instruits par aucun des enquêteurs de so cette we cour, have donc zero, nous avons corroborating donc evidence. Zéro preuve ici. Could you
Donc, pouvez-vous dire à la Chambre les noms de personnes qui pourraient possiblement confirmer ce que vous avez décrit hier et aujourd'hui? C'est-à-dire, y a-t-il peut-être des survivants parmi cette famille? Et si c'était le cas, quel est le nom de ces survivants et où habitent ces survivants possibles? Answer. Réponse. I have learned this information J'ai appris that cela time. À l'époque. Husbands had been taken away Les maris and avaient killed. Été emmenés et tués. Two wives et deux femmes survived, the ont period. Survécu. They are now living Elles habitent maintenant in Kampong Chhnang province, dans la province de Kampong Chhnang. In Dom Nak Riek dans village, le village de Dom Nak Riek. Concerning that two surviving women. Their husbands et had been taken away donc and killed. Les maris Only de ces deux femmes qui ont survécu ont été tués, mais donc il n'y a que les femmes qui so ont survécu. Two women that you just mentioned, question donc, les deux femmes que vous avez mentionnées faisaient-elles partie de ce groupe de sept familles mixtes? Answer. Réponse. Actually, en fait, the two surviving deux women qui ont survécu got married in the Sihanouk's time. Se sont mariées à l'époque de Sihanouk. That was not my question. Ce n'était pas ça ma question, dit le conseil. My question ma question is était whether these two women that si you described, ces deux were they part of the qui ont survécu group of faisaient seven partie families? Des sept familles in other words, mixtes. Can donc, they tell the court est-ce qu'elles pourraient dire à la cour la même chose par rapport aux événements que vous êtes en train de décrire? Answer. Réponse. For those who en had been taken away, they were killed. Qui ont, only ceux two qui women ont été emmenés survived. Ont été tués. Il n'y a que deux femmes qui ont survécu. One last time, Mr. Civil Body. Je vais essayer encore une dernière fois, dit le conseil. The two women that deux you just femmes, described, donc vous avez were they part of that group of seven families, and are they in a position, de ce, if you know, de cette famille, to confirm sont-elles your capables story? De confirmer votre version des faits? Answer. Réponse. Yes, they oui, were part of elles the faisaient group, partie the seven families. De ce groupe de sept familles. Do you know their names and are you question, willing to give vous the names to the chamber, please? Leur nom et êtes-vous prêt à donner leur nom à la chambre? Answer. Réponse. Soon. Soon. I do not know her surname. Je ne connais her pas son nom de famille. Name mais was son is Soon, and prénom était Soon. And other woman's et l'autre name femme s'appelait Tui. Tui. They are surviving and they elles are living now today. Elles sont encore vivantes aujourd'hui. And in which village are they living now? Et dans quel village habitent-elles? No. Answer. Réponse. They are living in Dom Nak Riek village. Au village de Dom Nak Riek. Close près de to Kampong Chhnang, said de la ville civil de Kampong Chhnang. Thank you, Mr. Civil Party. And my last subject. Conseil, merci, Parti Civil. Donc, je vais en arriver à mon dernier sujet. You testified that vous you avez didn't dit actually que yourself, vous n'avez pas witness, vous-même the alleged killing. Les however, you say that the next day, comrade vous avez dit que le told you jour what had happened the day before. Le camarade Hun vous a expliqué ce qui s'était passé la veille. The court donc, why est-ce que vous pouvez expliquer à la cour comrade pourquoi him, told you the next day le that he had just killed le your camarade wife and six vous or seven dit, or eight others? Jour suivant qu'il avait juste tué votre femme et six ou sept autres personnes. Pourquoi est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Answer. Réponse. He did not in tell me that he ne m'a pas dit had killed qu'il avait tué the those people who had been taken away. Qui avait été emmenés. The morning after, he le met me and il he m'a
saw me that I was so sad. He told me at that time that my family members had all been killed, donc, tous les and membres he suggested de ma famille avaient me to tués, ask Ankar to remarry me. I was un nouveau mariage. Hopeless at the time. Et j'avais perdu tout I espoir heard that my family members had been entendu killed. Que tous les membres de ma famille avaient été tués. Thank que les membres you. De ma famille avaient été tués. My question was, conseil, did he merci, tell partie you civile. Mais ma question, est-ce qu'il vous a dit pourquoi why il vous a dit ça? Pourquoi il vous a donné you? Cette information? It seems that he just enfin, basically confessed to il paraît, participation in a mass execution. Là, il me semble qu'il est en train d'avouer qu'il a participé à une exécution de masse. Pourquoi vous a-t-il dit ça, donc? Answer. Réponse. I did not know why je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, ou je ne savais pas à l'époque. Il était un cadre, il était le chef d'unité, et je le considérais comme un soldat à l'époque. He had been relocated from somewhere else to work within my unit. I was thinking and wondering, perhaps he was the one who had killed those people, since he knew the information. Since I was afraid of my life and I was afraid that I would be killed, I did not, you know, poke into the matter any longer after I heard that. Après avoir entendu que effectivement les membres de ma famille avaient été tués, question. Apparemment, il vous a pas seulement dit que votre femme avait été tuée, mais il vous a aussi dit qui était responsable pour les meurtres de Comrade Bond. Et il vous a aussi décrit la manière dont votre femme et votre enfant ont été tués. Why he told you those details est-ce as well? Qu'il vous a dit pourquoi il vous a fourni ces détails aussi? President, le président, veuillez attendre, parti civil, le coprocureur international a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a une mauvaise interprétation, et c'était déjà le cas lors de la question précédente, des propos de la partie civile. Bien sûr, hier, il a décrit comment l'enfant avait été tué, et il a bien dit que c'est le camarade Hume qui l'avait dit, mais je n'ai jamais noté quelque part que le camarade Hume aurait dit que c'était Born qui avait été le bourreau ou le chef des exécutions ce jour-là. Donc je pense que la question devrait être plus précise ou reformulée. Donc, la question should be more specific or be rephrased. Right now, Mr. President, I'm only interested in the reasons for him having acquired hearsay information. Counsel, we are listening to the same translation. He said, "I do not know." That's what I heard in English as an answer to your last question. Il dit, je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu en anglais, donc c'est la réponse à votre dernière question. Maybe le conseil, peut-être que je n'ai pas entendu, la réponse à cette question, la question étant if pourquoi he didn't le camarade know Hume vous a donné ces détails. In the first place about the thing, why would he then, what sense does the question make about details? He says, I don't know why he told me. That's what I heard in English. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit cela, c'est ce que j'ai entendu en anglais, donc pourquoi poser une question pour avoir plus de détails? I'll move on. Le conseil, très bien, je vais poursuivre. As a matter of fact, I'm done. D'ailleurs, j'en ai terminé. Je vois que Monsieur le Président me donne la parole. I see that the President has bonjour, given me the Monsieur floor. Pragdon.
Je m'appelle Anta Gissé, je suis co-avocat international de M. Kyusampan. C'est à ce titre que je vais vous poser des questions complémentaires. Je vous demande, je sais que c'est difficile, mais de vous concentrer et de bien écouter mes questions qui seront précises, car mon temps est compté. Vous avez indiqué que vous vous êtes marié, si je me souviens bien, à l'âge de 19 ans. Et ma première question est de savoir, après votre mariage, est-ce que vos beaux-parents ont vécu avec vous et votre femme? Did your in-laws live with you and your wife? Réponse. Answer. At the time, I was living close to. Je vivais près. His or her house. De leur maison. However, we were living in a separate house. On vivait dans une maison à part. Hier, vers 11h28, vous avez indiqué que votre beau-père était mort sous le régime de feu Sihanouk. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Est-ce que c'était avant ou après le coup d'État de Lon Nol? Réponse. Il est mort. 10 years ago, before it was Lon Nol time, my mother-in-law was living and she passed away during the genocidal regime, said the civil party. Et est-ce qu'à la suite du décès de votre beau-père, votre belle-mère est venue habiter avec vous et votre femme? Death of your father-in-law, did your mother-in-law come to live with you and your wife? Réponse. She was a grocer selling grocery, and I was living in a separate house. As I said, our houses were adjacent to one another. À côté, une maison adjacente. Hier également, à 11h17, vous avez expliqué qu'en 75, vous avez été transféré à Pechangvan avec toute votre famille. With your entire family. Est-ce que à ce moment-là, votre belle-mère est venue habiter avec vous? Did your mother-in-law come to reside with you, to live with you? Answer. After the evacuation, my mother-in-law together with my whole family were living together. At the time, we had not been dispersed into different groups yet. Later on, after I had been relocated to a fishing unit, we were separated from each other by the Khmer Rouge. I cannot tell you the exact date when I was relocated to a fishing unit. And later on, I was allowed to live together with my whole family in Tamou, within a cooperative. Au sein d'une coopérative. J'ai bien retenu tout ça. Je vous demande encore une fois de bien écouter mes questions, parce que je vais venir sur d'autres précisions par la suite. Mais écoutez d'abord bien ma question et répondez à ma question précise. Donc, votre belle-mère a vécu avec vous ainsi que le reste de votre famille à Pechangvan. Sans vous souvenir de la date exacte à laquelle vous avez été muté à une unité de pêche à Kotamau. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps vous êtes resté à Pechangvan avant vous de partir seul à Kotamau? I was allowed to stay there for only a fortnight. Je n'ai pu y rester qu'une quinzaine de jours. And I did not know what happened later to my in-laws. Je n'ai pas su ce qui est arrivé à ma belle-mère par la suite. Quand vous dites que vous n'avez pas su ce qui est arrivé à votre belle-mère, you say that you do not know what happened to your mother-in-law. Quand vous avez été muté à l'unité de pêche, j'ai cru comprendre que vous êtes resté un an dans cette unité seul avant de pouvoir faire venir votre famille. Est-ce que votre belle-mère, quand vous avez fait venir votre famille, est venue également avec vous, enfin avec votre femme et vos enfants?
also join you alongside your wife and children. Yes, we were allowed to live together. Nous avions le droit de vivre ensemble. Je voudrais maintenant m'attacher à l'unité de pêche dans laquelle vous avez travaillé. Est-ce que vous vous souvenez qui était votre supérieur lorsque vous êtes arrivé pour la première fois dans cette unité de pêche, 15 jours après avoir quitté Pechongvan? I was reassigned to go there by C'est les soldats qui m'ont envoyé là. At that time, we were assigned to live in a cooperative. On m'avait envoyé vivre dans une coopérative. Was in charge of the male unit. Était responsable de l'unité des hommes. Ils étaient quatre qui étaient responsables de la coopérative où j'habitais. Et ces responsables-là, c'est ceux que vous avez trouvés la première fois que vous avez été transféré dans cette unité de pêche, c'est bien ça? C'est eux que vous avez trouvés dès le départ. Yes, the soldiers delivered us to these cadres, and we were received by these cadres into the unit. Reçus dans l'unité. Vous avez indiqué que cette unité de pêche était rattachée à une coopérative. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de la coopérative? Can you tell us the name of the cooperative, please? The cooperative is also known as the district fishing unit. Unité de pêche du district. And that what was told c'est by the cadres there, c'est and that name was given by Ankar. C'est Ankar qui lui avait donné ce nom. Et de quel district s'agissait-il? Thank you. And what district are we talking about, please? I do not know which district it was. It was only referred to as the district fishing unit. Unité de and pêche it's possible district, that was, it was the Boribo district in Samaki village. Dans le village de Samaki. Je voudrais maintenant en venir au moment où vous avez fait une requête pour faire venir votre famille auprès de vous. Hier, à 13h52, vous avez indiqué que cette requête a été formée vers fin 76. Est-ce que vous pouvez indiquer à qui vous avez fait cette demande? I made a request to the unit chief, j'ai that is la the au chef d'unité, so that my Tarou, wife could come to live with us. In fact, I was afraid when I made the request. And before demande. I made a request, I talked to him a donc, little bit. Je lui ai parlé un and petit after peu I made a request, de he said that I should wait demandé, for a while since Ankar would organize that car, for me. L'Ankar l'organiserait pour moi. Et précisément, comment a-t-on arrangé le déplacement de votre famille jusqu'à l'île, puisque j'ai pu comprendre que c'était sur une île que votre unité de pêche était? Comment est-ce que le transfert de votre famille s'est organisé? They walked on foot and ils there was even no askar to transport pied, them, so it was very difficult for them to walk on foot. Ils ont fait le chemin à pied. Mais au niveau de Pechongvan, qui, savez-vous, qui a été informé de l'autorisation qui avait été donnée de faire venir votre famille? Est-ce que vous savez comment cela s'est passé? Do you know how that was arranged?
I did not know. I only made my request to the dynasty, and I did not know who actually let them come to live with me and the fishing unit. Vivre avec moi, l'unité de pêche. Hier, un petit peu avant 13h53, vous avez dit les cadres qui avaient bon cœur ont accepté ma demande pour que mes enfants et ma femme reviennent. Est-ce que c'est de Taro dont vous parlez comme étant un cadre de bon cœur? No, it was comrade Hum. C'était le camarade Hum. It was Matt Hum who said that I should not think about my family anymore as they had been smashed and I should focus on my work at the fishing unit. But the unit chief didn't tell me about that. Excusez-moi, Monsieur Pragdon, parce que là, nous nous perdons dans la chronologie. Là, je vous parle pas du moment où Hum vous parle du décès de votre famille. Je vous parle du moment où on acceptait votre requête de faire venir votre famille avec vous. Hier, un petit peu, donc avant 13h53, vous dites « Les cadres qui avaient bon cœur ont accepté ma demande pour que mes enfants et ma femme reviennent vivre sur l'île. » Donc là, on parle de votre requête pour faire venir votre famille avec vous. Donc ma question est de savoir de qui parlez-vous quand vous dites cadre ayant un bon cœur. Comme je l'ai dit, c'était le camarade Hum. Il était le seul cadre. Alors, une précision, parce que dans la traduction, ce n'est pas toujours clair. Est-ce que le camarade Hum est un homme ou une femme? Is comrade Hum a man or a woman, please? Comrade Hum was a female comrade. Hum était une femme. Quand votre famille est arrivée sur l'île, j'ai compris de votre déposition que votre femme a travaillé dans une ferme. En français, c'était sortie coopérative, mais je peux comprendre qu'en Khmer, on a dit ferme. C'était vers 14h16. Est-ce que vous confirmez ce point? I did not even know when she arrived. Je ne savais même pas quand elle était arrivée à la coopérative. When I returned from work, I was told that my wife had arrived, but I did not see her yet. Mais je ne l'avais pas encore vue. In later on, in late afternoon, I saw her. Je l'ai vue. Excusez-moi. Lúc đại dương châu rồi chồng mong đây non. Lúc Brandon. Hello, Clay. President, Mr. Pragdon, please respond briefly. You do not need to make a lengthy response, as it will take a longer time, and that may lead to other problems. Because whatever you said may be used by the council to put further questions to you, and we have reminded you since the start of your testimony. Nous vous avons rappelé ce fait dès le début de votre comparution. Donc je vais vous reposer ma question de façon précise. Donc ma question précise, c'était, est-ce que lorsque votre femme est arrivée sur l'île, est-ce qu'elle a par la suite travaillé dans une ferme? J'ai cru comprendre que c'est ce que vous avez dit hier à 14h16. Est-ce que vous me confirmez que pendant que vous étiez à l'unité de pêche, votre femme, elle, travaillait dans une ferme à planter des légumes? The interpreter does not get the response from the civil party. Est-ce que vous pourriez répéter la traduction? L'interprète n'a pas entendu votre réponse. Could you please repeat your answer for the benefit of the interpreters? When my wife arrived, she was assigned to grow vegetables at the cooperative where I lived. Légumes dans la coopérative où je vivais, dans l'île. Hier,
Vous l'avez dit une première fois à 14h18 et ensuite aux alentours de 14h26. Vous avez indiqué que vous travailliez dans la journée à différents endroits, mais que le soir, vous pouviez vous retrouver. J'ai cru comprendre aussi que vous avez indiqué qu'il n'y a que vous qui a... Parmi le groupe de l'unité de pêche, je vous demande de me le préciser, il n'y a que vous qui aviez le droit de retrouver votre famille le soir. Est-ce bien exact? We came together with other families, and nous it was not just for my family alone. Ce n'était pas simplement ma but we were assigned to work at different mais locations nous avions différentes and sections. Tâches. Nous étions à des endroits différents. The farming par exemple, and the fishing unit, l'unité de and there were only three or four people in charge of us all. Pêche, et il n'y avait que 3 ou 4 personnes qui étaient responsables de nous tous. D'accord, donc tout le monde avait right. le droit de retrouver so le soir sa famille. C'est bien ce que je dois comprendre. Was allowed to meet up with their family in the evening. Is that but, correct? But man. Yes, that is correct. C'est exact. J'en viens maintenant à un point, ça a peut-être été clarifié ce matin, mais je veux être sûr. Vous avez indiqué que à un moment, you said that la camarade Hum vous a fait le reproche d'avoir épousé une femme d'origine vietnamienne alors qu'il y avait beaucoup de femmes cambodgiennes. Est-ce que vous confirmez que le seul moment où elle a évoqué ce point, c'était après le décès de votre femme, mais qu'avant, lorsque votre femme et le reste de votre famille est arrivé sur l'île, personne ne nous a fait de remarques à ce sujet. Est-ce que vous confirmez ce point? Is that correct? Can you confirm? But. Yes, that is correct. C'est exact. Vous avez indiqué à mon confrère Copé tout à l'heure que vous aviez appris par la rumeur des villageois que d'autres familles mixtes, donc avec des époux, des épouses d'origine vietnamienne, habitaient également sur l'île. Est-ce que vous les aviez vus, ces familles, avant le jour où on vous a demandé de quitter le village, ou est-ce que c'est seulement le jour où vous avez été rassemblés pour quitter l'endroit que vous avez vu ces autres personnes? They don't know from where they gathered those people. Je ne sais pas d'où ils ont rassemblé ces gens. Et plus tard, nous avons appris à nous connaître. And there were 7 families all together, and we were the subject to be taken away and killed. Et nous avons été emmenés. Pour être exécuté. Vous dites, nous avons appris plus tard à nous connaître. Est-ce que je dois donc comprendre que le jour du rassemblement, vous ne connaissiez pas ces autres familles? So am I right in thinking that when everybody was assembled on that day, you didn't yet know those other families? But, man. Yes, that is correct. C'est exact. Je voudrais maintenant m'attacher à la question des rumeurs sur les infiltrations vietnamiennes. Dans le cadre de votre déposition, je n'ai pas compris exactement comment vous avez entendu qu'il y aurait eu des infiltrations vietnamiennes dans le pays. Hier, répondant à Monsieur le coprocureur à 15h50, vous avez évoqué un groupe de soldats qui vous auraient posé des questions. Donc ma question est la suivante, est-ce que ce sont ces soldats qui ont évoqué pour la première fois avec vous la question d'infiltration vietnamienne? Not
No, actually, non. I learned from the cadres who were talking en fait, among themselves, and I overheard them. They said that we would be in trouble since the Vietnamese troops were now at the border. À la frontière. I didn't say anything because I was afraid. I only kept listening to what they said, and I did not know whether that was true or not. Je ne savais pas si c'était vrai ou non. Et de quel cadre parlez-vous? Which quel cadre avez-vous entendu parler de l'arrivée des Vietnamiens à la frontière? Was talking about Vietnamese arriving on the border? I heard soldiers, they were pretty young, they were about 18 to 20 years old. They were talking about themselves and they were passing me, so I only overheard them talking about this. Donc je les ai simplement entendus en parler. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il s'agissait de soldats ou de cadres de votre coopérative? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Soldiers or cadres from the cooperative? Could you please be more precise? I noticed that they were wearing the same black clothes, but because they carry a weapon, so I presumed that they were soldiers and they were on duty. Qui étaient de garde. And they were speaking to each other et that the Vietnamese troop was approaching the border, que les soldats vietnamiens approchaient de la frontière. C'est tout ce que j'ai entendu. D'accord. Et quand vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur des questions que des soldats vous auraient posées à vous sur la présence éventuelle de Vietnamiens dans votre coopérative, est-ce que vous parliez de ces soldats en question ou est-ce que vous parliez d'autres soldats? This with the co-prosecutor yesterday, were you talking about these soldiers or other people? No, I did not refer to the cadres. Non, je ne parle pas de cadres. Je parle des soldats qui étaient de garde et qui sont passés devant là où j'étais. Quand je les ai entendus en parler, ils ne sont pas venus me voir pour me dire ces informations. Alors, je voudrais savoir, c'est peut-être un problème de traduction, mais hier à 15h50 here, et 0,4 secondes, juste après, vous dites... Ils m'ont demandé s'il y avait des Vietnamiens dans ma coopérative et je leur ai dit que je n'en ai pas vu. Est-ce qu'on a mal compris votre réponse? Was your answer misunderstood? I made two points. J'ai cherché à dire deux choses. Ce que vous venez de dire, c'est ce que j'ai dit en référence à la position des cadres dans l'unité. Par contre, dans cette conversation-là, je parle d'un groupe de soldats. Alors, je suis un peu confuse. Est-ce que vous pouvez donc me parler de la conversation des cadres que vous, que vous avez entendue? Est-ce que ce sont les cadres qui vous ont demandé si vous aviez des Vietnamiens au sein de la coopérative? If there were Vietnamese within the cooperative. Yes, that... Were the cadres oui. Who asked about the number of Vietnamese people living and I didn't tell them anything mais about the Vietnamese, as I were telling them only about my family situation. Simplement de ma situation familiale. Et je vous repose la question, de quel cadre parlez-vous? Qui sont which ces cadres qui vous ont posé des questions? Talking about? Who were the cadres who asked you these questions? It was Comrade Na Camarade who asked Na me that question. M'a posé la question. Et le camarade Na, enfin, est-ce que vous allez préciser si c'est un homme ou si c'est une femme? Est-ce que il travaillait avec, j'ai pas fini ma question, est-ce que il ou elle travaillait avec la camarade Hum? She work with comrade Hum?
Kamrat Hum, and another comrade were working together in the cooperative. And Kamrat Na was the one who asked me that question. C'est la personne qui m'a posé la question. Et les cadres dont venait d'évoquer le nom, est-ce que elles étaient également en charge de l'unité d'agriculture dans laquelle travaillait votre femme? Yes, that is correct. C'est exact. Vous avez indiqué tout à l'heure que votre belle-mère était venue vivre avec vous sur l'île. Est-ce qu'elle également travaillait dans la coopérative? No. She was looking and taking care of the children, including my 1.5-year-old child. Y compris mon enfant âgé d'un an et demi. Et est-ce que les cadres dont vous avez évoqué le nom, Na, Hum, etc., est-ce qu'elle connaissait votre belle-mère? Est-ce qu'elle l'avait déjà vue? Know your mother-in-law? Had they seen her before? Yes, they knew her very well in the cooperative, as she was my mother-in-law, and they also knew my wife. Ils connaissaient aussi mon elle connaissait aussi mon épouse. Ce matin, je ne sais pas si c'est une question de traduction, je voudrais clarifier. This vous avez morning, indiqué, en tout cas, c'est sorti comme ça en français, que à un moment, enfin que on appréciait vos qualités, que vous saviez convaincre les gens. Et que c'est pour ça qu'à un moment, vous avez été responsable d'une unité de pêche. Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage? Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez été responsable d'une unité ou d'un groupe? So, do I understand correctly that at a given point in time, you were in charge of a unit or a group? No, I wasn't. Non. I was in charge of a group temporarily. They didn't have any official assignment. Ce n'était pas une affectation officielle. I was told, now I should go and do this together with this human and look after them when we were there. Pendant que nous étions là-bas, mais c'était tout. Qu'est-ce que ça voulait dire, vous occuper d'eux? Looking after these people, what precisely did that mean? That. For example, if we were to assign to cut some si trees to make poles, couper des arbres pour faire des poteaux, then I had to be responsible for achieving that task within this group. De cette tâche au and sein that du groupe. Was all. So usually I would be assigned a général, provisional role to be in charge of a certain task or assignment for that group. Ou d'une affectation pour ce groupe. Et ça, c'était pendant que votre femme et votre belle-mère étaient encore au sein de la coopérative. Was that while your wife and mother-in-law were still in the cooperative? Yes, that is correct. Oui. J'en viens maintenant au rassemblement des familles mixte, comme vous l'avez indiqué, le jour où vous avez été séparé de votre famille. Et vous avez indiqué, si j'ai bien compris, que l'on vous a indiqué pour vous rassembler que vous alliez être affecté ailleurs. Vous êtes arrivé, vous dites que vous êtes parti, si je me souviens bien votre déclaration. Et c'est à 15h25 et 29 secondes. Vous dites, nous sommes partis vers 18h. D'après mes estimations, nous sommes arrivés à la destination vers 3h30. Est-ce que c'est bien exact? Vous avez marché la nuit et vous êtes arrivé à 3h30 du matin à la destination. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition?
I do not get your question. Je ne comprends pas votre question. Please repeat it. Veuillez la répéter. Je... Hier, je cite ce que vous avez dit. Vous avez dit, nous sommes partis vers 18h. D'après mes estimations, nous sommes arrivés à la destination vers 3h30. Première question, on va procéder autrement. Première question, de quelle destination parlez-vous ? What destination are we talking about here? We left the cooperative at around 6 p.m. vers 18h. We were not forced to walk faster, on ne nous a pas forcé à marcher because vite. Of the lack of food and when we were tired, du manque de when we reached an et area fatigue, where there was a pond, then we were allowed to rest on there. Nous permettait de nous y reposer. And by about 3:30 or 4, we reached an area heures, where the execution took place. Et c'est là que l'exécution a eu lieu. Vous avez indiqué ne pas avoir assisté à l'exécution parce que vous aviez été, vous étiez ailleurs. Alors, je voudrais que vous revenir à ce moment précis où les deux groupes sont séparés. Lorsque les deux groupes sont séparés, où est-ce que votre groupe à vous se dirige ? Quel est l'endroit où vous atterrissez pour la nuit ce jour-là ? I was assigned to Strasser Rise where when my wife qu'il fallait que was je batte le riz. Taken to Turoka, I Pour was sent to Wat Milong. Et moi j'étais à Wat Milong. Wat Milong, à quelle distance était-ce de l'endroit que vous aviez quitté à 18h? How far away from the place you left at 6 o'clock in the evening? It is my estimate the distance was about 20 kilometers from the cooperative where I lived to Wat Milong. Où j'habitais donc de la coopérative and à Wat Milong. We walked through a patchy path. It was not a smooth road. Nous sommes passés par une route un peu sinueuse, we difficile. Until we reached the location where the killing took place. L'exécution a eu lieu. Là encore, vous avez parlé de Turoka et de l'endroit de l'exécution. Vous-même, personnellement, au moment de l'exécution, vous n'étiez pas présent. Vous avez indiqué que c'est le lendemain. La camarade Hum qui vous en a parlé. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? It was comrade Hum who told you about this. C'est exact. Yes. Est-ce que vous savez quelle distance il y a entre Wat Milong, l'endroit où vous avez été affecté ce jour-là, et Turoka? I can only give you an estimate since I cannot know the exact distance. Je ne connais pas la distance exacte. I believed it was selon more moi, than 10 kilometers de from Wat Milong to Turoka. Jusqu'à Turoka. Vous arrivez à Wat Milong avec le groupe donc des personnes qui faisaient partie de votre groupe et qui étaient qui ont été séparés du deuxième groupe. Est-ce que c'est un... vous êtes accueilli par le chef and de la coopérative there, de Wat Milong quand vous arrivez? Est-ce que vous êtes toujours escorté par les deux soldats que vous avez évoqués hier? No, réponse, I was assigned to Strasser Rise. On m'a demandé and I saw de décortiquer soldiers hanging le riz two, two CK rifles. J'ai vu des soldats avec deux fusées and s'écasser. That was where I was assigned to Strasser Rise. C'était là and I did not on m'a demandé de décortiquer le riz et je n'ai pas time. Osé poser des questions.
Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30, peut-être que c'est le moment de marquer la pause. Je précise que j'ai bien entendu les 10 minutes supplémentaires. Là, je vais être très franche. Je pense que je ne pourrai certainement pas finir en moins de 20 minutes parce que j'ai encore les deux déclarations écrites à évoquer avec... les deux déclarations écrites, en tout cas les deux documents écrits de Monsieur... Pragdon et voilà, Bracken. Selon, je voulais vous informer and déjà que j'aurais besoin de plus de 10 minutes. Put my cards on the table and tell you that I will be needing a little bit more than 10 minutes. President, thank you, Council. The time is now convenient conseil, for us to take our lunch donc, break. We take a break now and resume at 1:30 this afternoon. Court officer, please assist the witness during the lunch break and invite him as well as the TPO staff back into the courtroom at 1:30 this afternoon. Security personnel, just happy to take your sample to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1:30. The court is now in recess. L'audience est suspendue.